Dans les mois qui ont suivi l'annonce de The Stanley Parable Ultra Deluxe, nous avons travaillé très durement et avons eu peu de temps pour partager des mises à jour. J'ai donc pensé que ce serait bien de prendre un moment pour répondre à quelques lettres et courriers que nous avons reçus de vous, les fans. Ouvrons le sac postal et jetons un coup d'œil. Nous avons ici une lettre de Tim Richmond qui écrit ⁇ Bonjour, j'attendais avec impatience The Stanley Parable Ultra Deluxe et j'étais excité de voir les nouvelles FA. ⁇ mais quelque chose m'a contrarié. Lorsque vous avez annoncé le jeu, vous l'avez annoncé pour 2019. Est-ce vraiment faisable Est-ce que seulement un an de développement vous donne assez de temps pour rendre le jeu le meilleur possible les Parable est important à mes yeux, et je veux que cette nouvelle itération soit de la meilleure qualité possible, peu importe le temps que ça prend. Meilleur vœu. Amorecala. Kim. Eh bien, Tim, merci beaucoup pour vos préoccupations réfléchies concernant la qualité finale du jeu. Mais laissez-moi apaiser vos craintes. Nous nous sommes donné suffisamment de temps pour créer exactement le jeu que nous voulions réaliser. Aucun compromis. Il est vrai qu'il reste très peu de temps dans l'année. Mais nous comptons bien respecter notre engagement envers vous, les joueurs. Des promesses d'une version 2019 ont été faites, et ces promesses seront tenues, quoi qu'il arrive. Vous avez ma parole. Vos préoccupations sont notées, mais pas nécessaires. Regardons-en un autre, celui d'Alma Redmond qui écrit J'ai une confession à partager. Lorsque The Stanley Parable Ultra Deluxe a été annoncé, j'ai essayé de le faire savoir autant que possible à ma famille, à mes amis et à mes proches, pour m'assurer que tout le monde autour de moi savait qu'il fallait s'attendre à plus de Stanley Parable en 2019. Cependant, rétrospectivement, je, je me sens honteux d'avoir exercé une telle pression sur vous pour que vous livriez le jeu en 2019, sans connaître la myriade de défis de développement de jeu et de facteurs externes hors de votre contrôle qui compliquent inévitablement même les efforts de développement de jeu les mieux organisés. <laughs> je déteste penser au stress que je vous ai causé par l'advertance. Personne ne devrait avoir à créer de l'art sous une telle pression, sous une telle contrainte de temps. J'espère que vous pourrez pardonner mon orgueil et mes présomptions. Cela ne se reproduira plus. Eh bien Alma, j'apprécie vraiment la prévenance supplémentaire. Mais la vérité est que nous n'avons rencontré aucune complication ni aucun facteur externe compromettant. Caractériser le développement d'un jeu comme autre chose qu'un courant constant d'élan vers l'avant sans entrave serait tout à fait inexact. J'apprécie toujours que les autres ressentent de la honte à ma place. Mais dans ce cas, ce n'est absolument pas nécessaire. Serait-il bien d'avoir un peu plus de répit, juste au cas où Eh bien, je suppose, mais vraiment, nous allons bien. Notre prochaine email vient de James P., qui écrit Je suis un fan de Stanley Paraboles depuis le jour où elle a été lancée. J'ai passé d'innombrables heures à en explorer les moindres recoins. Et je dois vous dire que j'en ai qu'une seule demande pour vos Stanley Paraboles Ultra Deluxe. S'il vous plaît. Reportez-le à 2020. Pitié, il n'y a tout simplement pas d'autre moyen pour que je sois satisfait du jeu si vous passez moins de temps à travailler dessus. Je compte sur vous pour en faire le meilleur jeu jamais réalisé, le meilleur de tous les temps. Comment cela pourrait-il se faire alors qu'il ne reste que quelques mois dans l'année 2020 est la seule fenêtre de sortie à l'intérieur de laquelle mes attentes démesurées pourraient être satisfaites. S'il vous plaît, pour nous, pour les fans, pour les joueurs, « Je vous demande de ne pas nous laisser tomber, de ne pas nous blesser comme nous l'avons déjà été. »« De grâce, reportez vos Stanley Paraboles Ultra Deluxe. »« Waouh !»« Je suis... Eh bien, je suis assez ému par la vulnérabilité de cette lettre. »« Avoir une telle confiance en nous pour livrer un produit d'une telle qualité, et être si prêt à attendre un peu plus longtemps... »« Est-ce vraiment le niveau de confiance que nos fans ont en nous ?» qu'ils soient si prompts à sacrifier leur propre gratification à court terme pour la santé de notre jeu et de nos studios, eh bien, je dois dire que je ne me suis jamais senti aussi profondément connecté à notre base de fans auparavant. Oui, moi aussi, je peux prendre position. Je donnerai à nos fans bien-aimés ce qu'ils ont demandé. Ce qu'ils ont exigé dans des dizaines d'autres emails et lettres manuscrites, exactement comme celle-ci. Je serai un champion pour vous, le peuple. Vous nous avez parlé haut et fort. Des milliers de voix résonnant en un seul cœur unifié, faisant écho à un même message encore et encore. Et ce message est Repoussez The Stanley Parable Ultra Deluxe à 2020, quelque part, préférablement durant l'été, mais cela va dépendre des spécifications du développement. Vous nous avez dit ces mots et nous vous écoutons. Levez-vous, joueurs. Levez-vous et faites valoir vos revendications. Ralliez-vous à ces mots. Gravez-les dans votre âme. Mourrez pour eux s'il le faut. Que rien ne se dresse entre vous, vous tous, et cet avenir vaillant que vous avez collectivement voulu créer. Un avenir où vos Stanley Parable ultra-deluxe sortira en 2020. Ensemble, nous créerons ce monde. Pour les gens. Pour les joueurs. Pour vous.